médias parlent en ce moment du vaccin contre le papillomavirus. Il faut le faire, disons, entre 10 et 15 ans, avant d'avoir eu des rapports sexuels. Parce que dès que vous avez des rapports sexuels, ce virus est tellement étonnant. Il est partout, ce virus. Donc vous avez 80% de chances de l'attraper. Donc il vaut mieux pas avoir eu de rapport sexuel avant de se faire vacciner. Cela dit, d'après les dernières données de l'étude, il semblerait que la première année des rapports, le fait de faire un vaccin donne une immunité supérieure à la femme qui lui permet de lutter contre le virus. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Dans 80% des cas, une femme qui a plusieurs copains, mais pas forcément beaucoup, mais comme dans une vie normale, elle a plusieurs petits amis. Elle a donc 80% de chances de rencontrer le virus. Si elle ne fume pas, si elle a une vie saine, si elle, voilà, elle a une vie normale, saine, le virus ne va passer qu'en touriste. Il passera, il disparaîtra. Si en revanche elle fume énormément, que par ailleurs elle a un comportement à risque, qu'elle multiplie les partenaires, le virus va s'installer et là, il va provoquer des lésions précancéreuses, puis cancéreuses. D'accord ? Donc, d'où l'importance.